Nous allons donc recevoir l'orateur du jour, c'est quelqu'un de la maison. Quand je dis c'est quelqu'un de la maison, c'est que ce n'est pas un étranger, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il vient prêcher à CEP, même si ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu. Mais on est vraiment très, 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 très bénis, très heureux de le recevoir ce matin. Et cet après-midi aussi, je crois qu'il sera avec nous. Donc, sans plus tarder, on va accueillir l'apôtre William Yakizabi qui va s'approcher sous vos acclamations au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on veut bien acclamer Jésus ce matin? Pendant que tu acclames ton miracle ce matin. Tu acclames ton changement ce matin. Tu acclames ton élévation ce matin. Parce que tu ne seras plus jamais la même personne. Il est le Dieu de la résurrection. Il est le Dieu du changement. Il est le Dieu de l'élévation. Il est le Dieu de la transformation. Et tu penses à ton mari qui n'est pas là, à ta femme qui n'est pas là, à ta famille qui n'est pas présente en ces lieux. Tu changes l'atmosphère. Tes acclamations se changent en tonnerre, en éclair, afin de renverser, d'ébranler les forteresses, de libérer les captifs ce matin. Car il est le Dieu qui, saisit les cris des justes et les change en tonnerre. Il les change. Alléluia. Béni sois-tu, notre Seigneur, notre Dieu. Nous voulons te rendre toute la gloire ce matin, parce que la gloire est à toi, Seigneur. Pendant que nous dormions cette nuit, la gloire était à toi. Lorsque nous nous sommes levés ce matin, la gloire était à toi. Et lorsqu'on va se coucher ce soir, la gloire est toujours à toi. Et tu nous fais grâce de nous partager ta gloire, afin que nous puissions te la rendre, ô grand Dieu. Car on ne peut pas te rendre ce que tu ne nous as pas donné. Et tu nous as glorifiés, Seigneur. Ce n'est pas pour qu'on se glorifie, mais c'est pour qu'on puisse te rendre gloire. Seigneur Dieu, merci. Merci, Seigneur, que ce matin, que je sois un simple outil, un simple instrument entre tes saintes mains, Seigneur. Je ne voudrais pas être un blocage, Seigneur, mais un canal entre toi et ton peuple. Je te rends toute la gloire. Comme ce matin, Seigneur, ce micro amplifie ma voix. Laisse que ma personne soit un micro entre tes mains. Pour amplifier ta pensée, pour amplifier ton cœur, pour amplifier ce que tu voudrais dire à ton fils, à ta fille ce matin. Je ne les connais pas, tu les connais mieux que moi-même. Tu as entendu les prières qui ont été élevées vers toi cette nuit, les prières qui ont été faites ce matin, les prières qui montent maintenant même vers toi, Seigneur. Je sais que tu es le Dieu qui écoute nos prières et qui nous exauce du haut des cieux. Saint-Esprit, j'ai confiance en toi. Et je me livre, je m'abandonne totalement à toi. Glorifie Jésus. Révèle Christ. Et que les vies brisées soient restaurées. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir dans sa divine présence. Bonjour, peuple de Dieu. Oh, j'ai dit bonjour, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis heureux ce matin d'être ici avec vous. Il est vrai que ça fait longtemps que je n'avais pas vu ma famille, CEP Résurrection, et c'est avec grande joie ce matin que je vous retrouve. Je voudrais ici saluer donc l'homme de Dieu, bien que absent, mais je voudrais le remercier pour sa confiance, me confier le troupeau du Seigneur sur lequel il a été établi pendant son absence. C'est vraiment un signe de considération et de respect et de confiance. Et je prie le Seigneur que je sois à la hauteur de cette confiance. Et je voudrais ici remercier également la maman de la maison, ma sœur Lydie. Merci beaucoup. Merci également à tous les pasteurs qui sont là, à toutes les femmes du pasteur, à tous les responsables, à tous les collaborateurs et aux membres de l'Église. Je voudrais vous dire un grand merci pour votre accueil. Amen. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, il est important que je me présente parce que même avant que le Seigneur ne commence le ministère, il a fallu que le Père le présente. Il a dit « Voici, celui-ci est mon fils ». Bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc la présentation est toujours importante pour ne pas que vous puissiez vous poser des questions. Je suis simplement votre humble frère. Je réponds au nom de William Yakizabi, appelé au ministère apostolique par la grâce de Dieu, que j'exerce, ça fait maintenant quelques années. Et si je peux dire, selon le Seigneur, ça fait maintenant quelques heures, parce que sa grâce se renouvelle chaque jour. Donc je suis apôtre, ça fait maintenant presque
11h30 que je suis apôtre. Ça fait 11h30 que je suis converti. Alléluia. Donc, je suis né au Congo-Brazzaville, dont je suis originaire, et que j'ai quitté en 84 pour venir en France. Et c'est ici que j'ai fait toutes mes études, depuis l'école primaire jusqu'à l'université, où j'ai étudié l'économie gestion. Et dans ce processus que le Seigneur m'a appelé à le servir, tandis que j'étais encore à l'université, mon père attendait de moi que je devienne un avocat, que je devienne un ingénieur, mais le Père Céleste avait d'autres projets pour moi. Et par la grâce de Dieu, en 97, je me suis marié. Donc si vous comptez avec moi, ça fait maintenant 21 ans que nous sommes mariés avec ma charmante épouse qui m'a chargé de vous saluer ce matin. Et avec elle, nous avons 4 enfants. Le premier a bientôt 18 ans, le deuxième 13 ans, le troisième 10 ans et la petite dernière a 4 ans. Du moins 6 ans. Voilà, donc je veux toujours qu'elle reste bébé, mais elle grandit. Amen. Et donc je suis établi sur l'église La Parole Persévérante, le centre de formation et de restauration La Parole Persévérante, situé à Boussy-Saint-Antoine. Et ça fait des années, par la grâce de Dieu, que nous œuvrons. Et cette église a donné naissance à une autre église à Sens et une autre église également en Côte d'Ivoire. Et par la grâce de Dieu, nous sillonnons les nations par-ci, par-là, répondant aux invitations de différentes églises pour que le corps du Christ puisse avancer. Mais dans tout ça, nous voulons rendre la gloire à Dieu. Amen. Donc ça fait quelques années que je connais votre pasteur, votre maman également. Ça fait plus de 20 ans, par la grâce de Dieu, qu'on se connaît. Et nous restons fidèles au Seigneur et on avance pour la gloire de Dieu. On s'encourage mutuellement et c'est une très bonne chose. Amen. Alors je voudrais simplement encourager quelqu'un ce matin, parce que je sais que vous avez un archibishop qui vous enseigne parfaitement. Et donc, je ne me permettrai pas d'enseigner forcément ce matin, mais je voudrais simplement encourager quelqu'un selon la pensée que le Seigneur m'a mise sur le cœur dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, 2 Corinthiens chapitre 4, du verset 7 au verset 10. S'il y a quelqu'un qui veut bien nous aider à faire la lecture des différents passages que nous aurons à lire. 2 Corinthiens chapitre 4, du verset 7 au verset 10. Persécuté, mais non abandonné. Yes. Abattu, mais non anéanti. Mm-hmm. Portons toujours avec nous dans notre corps la vie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors, suite à ce texte, j'aimerais encourager quelqu'un à dire fatigué, mais pas découragé. Alléluia. Fatigué, mais pas découragé. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Comme le dit le psaume 115, non pas à nous Seigneur, mais à ton nom donne gloire. Alléluia. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Alléluia. Alors j'aimerais te dire ça à quelqu'un ce matin. Fatigué, mais pas découragé. Alléluia. Vous savez, la fatigue est une chose naturelle, surtout pour le corps. Lorsqu'on abuse un peu, lorsqu'on tire un peu sur le corps, eh bien le corps se retrouve à être fatigué. Et souvent, on peut également être fatigué moralement parce qu'on voit les mêmes choses qui se répètent et on est fatigué d'affronter les mêmes choses. Moralement, on peut prendre un coup. Spirituellement également, il peut y avoir une fatigue, un relâchement parce que simplement, on est fatigué de prier, mais on ne voit pas encore le résultat. Et souvent, à cause de la fatigue, beaucoup abandonnent, beaucoup se retournent en arrière et beaucoup même lâchent
la vision que Dieu leur a confiée. Mes frères et sœurs, la fatigue est naturelle, mais le découragement est une question de choix et de vision. Vous savez, une personne qui ne se décourage pas est une personne qui a un objectif, un but, une raison d'être sur la terre, qui a une base, un fondement, une vision, un repère. Lorsque tu n'as pas de vision, tu auras toutes les raisons du monde de te décourager. Vous savez, lorsque tu te décourages, c'est que quelque part tu as été encouragé. Et quand tu as été encouragé, eh bien, il y a l'ennemi également qui ne voudrait pas que cet encouragement te donne le courage d'avancer. Alors il vient mettre le dé devant courage. Et si vous remarquez avec moi, tous les verbes en français qui commencent par le dé, en général ne font pas du bien à l'homme. Défait, détruit, dérobé, déséquilibré, désorienté, désemparé, désespéré, dé. On a l'impression qu'on a pris le diminutif de démon et on l'a collé ça à tous les verbes. Et lorsque tu es dans le dé, souvent tu es toujours dans la... tu es abattu. Quand tu es dans le dé, tu es vraiment dans le dé, dans la défaite. Mais si dans le dictionnaire du diable, il y a le verbe, il y a la lettre dé, j'aimerais te dire aussi que dans le dictionnaire de Dieu, il y a la lettre R. Si Dieu fait, le diable défait, mais Dieu est celui qui refait. La Bible dit que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il a tout fait pour un but. Et le diable vient pour dérober ce que Dieu a fait. Il vient dérober ce que Dieu a appelé à l'existence. Mais Ecclésiaste 3:15 nous dit qu'il est le Dieu qui ramène ce qui avait disparu. Donc en d'autres termes, lorsque Dieu fait, le diable défait. Et lorsque le diable défait, Dieu n'est pas abattu, Dieu n'est pas découragé, Dieu n'est pas effrayé, Dieu n'est pas épouvanté, Dieu n'est pas paniqué. Parce que dans son dictionnaire, il y a la lettre R. Comme refaire, comme restauration, comme renouvellement, comme résurrection, comme restitution. Alléluia! Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu peux être fatigué, mais ne laisse pas place au découragement. Ne laisse pas place au découragement. Parce que lorsque tu laisses place au découragement, c'est que quelque part, tu n'as pas de vision. Vous savez, aujourd'hui, le peuple de Dieu manque d'endurance spirituelle. Nous manquons d'endurance spirituelle. Pourquoi ? Luc 21:19 nous dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera... Est-ce que nous sommes là ce matin? Et Hébreux chapitre 10, du verset 35 au verset 39. J'aime ce verset. Hébreux chapitre 10, du verset 35 au verset 39. La Bible dit ceci. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous est promis. Encore un peu de temps et bien peu, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et le juste vivra par la foi. Mais s'il tarde, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais s'il se retire, pardon, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance. Après avoir accompli la volonté de Dieu, quelle est la volonté de Dieu? Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Et il veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Et quand on parvient à la connaissance de la vérité nous affranchit et elle nous rend réellement libres. Dieu veut que tu sois sauvé. Tu as obéi, nous avons obéi à cela. Mais après avoir accompli la volonté de Dieu, l'apôtre Paul dit « Nous avons besoin de persévérance ». Pourquoi? Parce que le découragement cherchera à prendre place pour tuer, pour détruire, pour neutraliser, paralyser les dons, les grâces, les particularités que le Seigneur a déposées dans ta vie.
Et lorsqu'un enfant de Dieu est exposé et dans le découragement, vous pourriez dire tout ce que vous voudrez, il aura du mal à se relever. Nous avons besoin de persévérance. Fatigué, mais pas découragé. Et vous savez, dans le domaine du mariage, c'est là où nous voyons beaucoup de gens qui sont découragés. La femme est découragée, le mari est découragé, l'homme traitant la femme de sorcière, et la femme traitant l'homme de Satan, de Lucifer. Et alors, ils sont là et ils vivent une vie d'apparence. Et le diable voudrait donner une vie d'apparence aux chrétiens, aux enfants de Dieu. L'apôtre Paul dit quelque part, dans le livre de Timothée chapitre 3, il dit que dans les derniers temps, les hommes auront l'apparence de la piété. Ils vont renier ce qui fait la force de la piété, mais ils auront l'apparence simplement. Mais toi et moi, nous voulons refuser d'avoir l'apparence de la piété. Nous voulons être pieux et non pas avoir l'apparence. Parce que tout ce qui paraît est appelé à disparaître. Mais tout ce qui est appelé à demeurer. C'est pour cela que nous ne voulons pas paraître, mais nous voulons être. Car notre Dieu s'appelle « Je suis ». Et quand tu dis « Je suis », tu n'es pas en train de conjuguer le verbe « être » à la première personne du singulier. Tu es en train de prononcer le nom de l'Éternel. Et il a dit « Tu ne prononceras pas mon nom en vain ». Lorsque tu prononces le nom de l'Éternel, attention à ce que tu ajoutes juste après. Quand tu dis « Je suis », tu prononces le nom de Elohim, de Jéhovah. Et qu'est-ce que tu mets après? Quand tu dis fatigué, faible, nul, pauvre, maudit, tu es en train de dire que Adonai ou Jéhovah est maudit ou faible. Mais il dit maintenant que le faible dise, je suis fort. Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous a donné son nom. S'il m'a donné son nom, c'est que je m'appelle « Je suis ». Et alors, si je m'appelle « Je suis », qu'est-ce que j'attribue après le verbe « être » ? Parce que le verbe « être » en français est un verbe attributif. C'est-à-dire que tu attribues au sujet tout ce qui vient après le verbe « être ». Attribuer, c'est que tu donnes, tu colles, tu lis, tu associes ce qui vient juste après le verbe « être ». Quand tu dis « je suis faible », c'est que toi-même tu déclares que la faiblesse c'est toi. Or il m'a donné son nom, ce n'est pas pour que je paraisse, mais pour que je sois. Oh, quelqu'un m'entend ce matin? Il m'a donné son nom, et son nom c'est « je suis ». C'est le nom qu'il a révélé à Moïse. Tu diras que « je suis ma envoyé. C'est pourquoi lorsque le Seigneur dira avant que Abraham ne soit, je suis, il a été caillassé. Mais c'est ce nom-là que nous avons reçu. C'est ce nom-là que tu as reçu. Si j'ai reçu ce nom, je peux dire, je peux être dans la fatigue ou être oppressé par la fatigue, mais je ne me décourage pas. Parce que dit mon juste vivra par la foi. Vous savez, frères et sœurs, ce qui manque aux chrétiens, c'est la persévérance. Ce qui nous manque aux chrétiens, c'est l'endurance. Souvent, on arrive à accepter, quand bien même difficilement, l'épreuve dans laquelle on se trouve. Souvent, on peut l'accepter. Mais là où ça devient difficile, c'est par rapport à la durée. Souvent, merci Seigneur parce que tu m'as mis dans la fosse au lion. Merci Seigneur parce que tu m'as mis dans la fournaise de feu. Tu récites tous les versets bibliques jusqu'à ce que tu finisses même Apocalypse. Le Seigneur te regarde et dit Amen. Et rien ne change. Et Dieu regarde ta réaction. Il regarde comment tu vas réagir après avoir cité tous les versets bibliques. Parce que le problème n'est pas d'accepter seulement la situation ou l'épreuve. Mais le problème, c'est de demeurer dans cette situation le temps que le Seigneur le voudra. Nous avons besoin de persévérance. Les chrétiens ne sont plus endurants. On arrive à jeûner et à prier. Mais lorsque la situation perdure, le découragement prend place. Parce qu'apparemment, rien n'a changé. Mais mes amis, au-delà de l'épreuve, Dieu ne veut pas seulement te sortir de l'épreuve,
mais il veut que sortir de là avec un diplôme. Il veut te sortir de là avec un enseignement. Il veut te sortir de là avec quelque chose de fort et d'extraordinaire. Oh, il n'y a pas assez d'amen ce matin. Peut-être que je me suis trompé d'endroit. C'est pas ici que je devais prêcher ça. Je devais aller prêcher ça en Afrique. Non, parce qu'ici, on est en Europe. On a des yaourts, on a des fromages blancs, on a des camemberts, on a des poulets fumés dans le frigo. Donc tout va bien. Je ne suis pas découragé. Quand j'ouvre mon frigo, je suis encouragé. Ça nous concerne ici aussi. L'endurance. 1 Pierre chapitre 5, le verset 10. Vous me suivez toujours? Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. J'aime ce processus. Et ce verset, j'aime bien la mélodie du départ. Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle. Waouh, quelle mélodie, c'est que c'est beau, c'est mignon. Mais voilà qu'il y a un élément perturbateur dans cette phrase. Après que vous aurez souffert, aïe. Encore dit, un peu de temps. Alléluia. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous fortifiera lui-même. Il vous affermira lui-même. Il vous rendra inébranlable. Le Seigneur veut que tu sois, que je sois inébranlable. Et vous savez, le peu de temps de Dieu, quand je retourne dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, la Bible dit, lorsque le Seigneur s'est révélé à Abraham, il avait 75 ans. Le Seigneur lui donne des paroles excellentes. Il lui dit, Abraham, voilà, sors de ta patrie, quitte tout et va dans le pays que je t'indiquerai. Je te bénirai, je ferai de toi une source de bénédiction, je rendrai ton nom grand. Il a dit tellement de belles paroles. Et vous savez, quand il y a une prophétie comme ça qui sort à notre sujet, nous avons l'impression que dès demain, on va commencer à vivre la chose. Abraham obéit, il exécute. Mais quand vous lisez Genèse 17, il n'y a que deux chapitres. Mais le Seigneur dit que c'était à 99 ans. Le Seigneur dit à Abraham, maintenant, marche devant ma face et sois intègre. 99 moins 75, ça fait 24 ans. Après que vous aurez souffert un peu de temps. 24 ans. Pour le Seigneur dit, un peu de temps. Joseph avait 17 ans lorsqu'il quitte la maison de son papa, alors qu'il voit des visions, des révélations extraordinaires de la part de l'Éternel que lui-même ne comprenait pas encore. Mais c'est après 13 ans que le Seigneur va l'établir sur le trône en Égypte. 13 ans. Il va passer par tant de situations, frappé par ses propres frères, mis dans le puits. On le sort du puits, on le vend comme un esclave. Il se retrouve chez Potiphar et il est accusé à tort, jeté en prison. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous formera lui-même. Il vous fortifiera lui-même. Il vous affermira lui-même. Il vous rendra inébranlable. Frères et sœurs, le temps dans lequel nous sommes, nous avons besoin des chrétiens, des enfants de Dieu, inébranlables. Parce que les temps sont difficiles. Ce n'est pas le temps des capricieux. Ce n'est pas le temps des chrétiens bébés. Ce n'est pas le temps des chrétiens qui aiment toujours être cajolés, qu'on leur donne des paroles qu'ils veulent. C'est le temps d'être inébranlable. De ne pas baisser les bras. De ne pas se décourager. Quelle que soit l'oppression, les situations, mon juste vivra par la foi. Je crois en ce que Dieu m'a dit. Quel que soit le vent et les tempêtes, je m'attends à ce que le Seigneur m'a dit. On chante ce chant, j'attendrai jusqu'à ce que sa gloire descende. Nous chantons seulement, mais nous ne vivons pas ce chant. Attendre jusqu'à ce que sa gloire descende. Abraham a attendu 24 ans, il est encore dans l'épreuve. Hein. Dieu lui dit, marche de ma façon intègre. Combien de temps es-tu prêt à attendre?
Le temps ne t'appartient pas, le temps lui appartient. Il est le maître des temps et des circonstances. Moi, ce que j'ai à faire, c'est de croire qu'il le fera et il le fera certainement. Je ne me décourage pas par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que j'entends ou par rapport à ce que je subis. Mais je suis ferme dans ce qu'il m'a dit. Il a dit et il le fera. Fatigué, mais pas découragé. Dans le domaine du foyer, mes frères et sœurs, j'aimerais parler ici aux hommes. L'homme a un rôle capital dans le foyer. Je vois par-ci par-là des conférences sur les femmes, conférences sur les femmes, conférences sur les femmes. Mais si vous allez voir dans la Bible, la première conférence qu'il y a eu, c'était la conférence de l'homme. Parce que Dieu lui-même, avant que Ève ne vienne, il a d'abord pris le temps d'enseigner, de conférencer l'homme. L'homme doit être enseigné, l'homme doit être éduqué. Remarquez bien, nous avons reçu, on brise souvent des liens de famille, mais nous avons reçu un lien de notre grand-père Adam. C'est qu'à chaque fois dans un foyer, vous allez voir, c'est l'homme qui accuse la femme. Nous avons reçu un lien d'Adam, on doit le briser. Dites-moi un amen quand même. Je me sens seul. Nous avons reçu, c'est pourquoi le Seigneur a dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Aïe. Quand tu traites ta femme de sorcière, Christ est mort pour l'Église. Quand tu as dit oui, je veux, tu savais bien qu'elle était sorcière. La sorcière qui te fait la sauce, la sorcière qui doit te masser le dos, la sorcière qui doit laver tes habits, la sorcière bien-aimée qui doit repasser tes vêtements, la sorcière bien-aimée qui je fais je ne sais quoi. Et encore, la sorcière bien-aimée avec qui tu vas au lit. Mais si tu vas vers elle, tu deviendras une seule chair avec elle. C'est que toi aussi tu es sorcier. Oh, pourquoi je parle de ça moi? Moi je parle du découragement, je parle du découragement. C'est pour dire, frères, je m'adresse à nous, frères. Si les foyers sont en train d'être brisés, c'est parce qu'on n'assume pas notre rôle de père ou de chef. Le chef est celui qui assume. Le chef est celui qui prend la responsabilité. Regardez bien, c'est Ève qui a péché, mais jusqu'à présent, on parle du péché d'Adam. C'est à nous d'assumer. Nous sommes souvent des bébés en tant qu'hommes. Nous sommes souvent capricieux. Remarquez bien, l'homme n'arrête pas de téter jusqu'à ce qu'il aille dans la tombe. Pourquoi je parle de ça? Moi, j'entends de parler du fatigué, du découragement. On est trop capricieux. On veut qu'on fasse tout pour nous. Mais qu'est-ce que tu fais pour elle? Est-ce que tu sais repasser sa robe? Est-ce que tu connais le déodorant qu'elle porte? Est-ce que tu connais sa taille? Même les chaussures. Au lieu de l'envoyer toujours faire les courses, prends-la, allez-vous promener dans les parcs. Au lieu de manger de pondou du lundi au dimanche, amène-la manger au restaurant un peu. Ah, les hommes sont fâchés contre moi. Qu'est-ce que tu fais pour elle? Tu as seulement les pieds croisés sur... Est-ce que tu sais passer la serpillière à la maison? Est-ce que tu sais changer la couche du bébé? Tiens, ton enfant pleure, va t'occuper de lui. Est-ce que tu prends le temps de jouer au ballon avec tes enfants? Non, toi tu es un homme. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. C'était une parenthèse. Hein? Je ne faisais que passer. Fatigué, mais pas découragé. Si l'homme a la vision du couple, tu ne dois pas te décourager face aux faiblesses de ta femme. Si tu as reçu une vision claire de la part de l'Éternel, parce qu'avant que Ève ne vienne, le Seigneur a donné une vision à l'homme. Tu mangeras de tout arbre,
mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu pourras manger de tout arbre, mais tu ne mangeras pas. Vous voyez, la vision vous donne ce que vous devez faire et la vision vous canalise pour ne pas être désorienté. Vous pouvez manger et des choses que vous ne pouvez pas manger, on nous donne des limites. Et lorsque tu n'as pas de vision dans un couple, vous allez tourner en rond. Et la vision, elle est détenue par l'homme. Quand on parle de la femme soumise, le mot soumission est en deux mots. Il y a le mot sous et il y a la mission. Mais quelle est la mission que toi tu as, que tu as communiqué à ta femme pour qu'elle soit sous ta mission? Quand un couple n'a pas de vision, vous allez voir que chacun va faire ce qu'il veut dans la maison. Et quand l'homme va se fâcher parce qu'il a découvert ce que la femme fait dans son côté, il y a des problèmes. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être convenues. Sans une convention, sans une alliance, sans un contrat, sans une vision. C'est la vision qui lie deux personnes. Et quand la vision n'est pas claire dès le départ, c'est la catastrophe. C'est pourquoi, jeune sœur, vous qui n'êtes pas encore mariée, si un beau gosse ou un Joe vient vers vous, chérie ou quoi que ce soit, veux-tu m'épouser? Faut lui poser la question, tu m'amènes où? Où allons-nous? Quand le monsieur se gratte la tête, c'est qu'il n'a pas de vision. C'est parce que le monsieur a tourné, il s'est rendu compte qu'il a déjà un lecteur DVD, il a un écran plasma, il a une chaîne qu'il faut, il a tout ce qu'il faut dans la maison, il lui manque un seul meuble qu'on appelle femme. Quand tu as cette vision, que tu le veuilles ou pas, ta femme sera un meuble. Je ne fais que passer. Pourquoi je m'arrête sur le mariage? Frères et sœurs, femmes, si tu subis des choses dans ton foyer, que tu n'en parles, personne n'est au courant de ça, mets tes genoux à terre. Tu peux être fatigué, mais ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Le Dieu que tu sers est vivant. Le Dieu que tu sers est réel. Si le diable est venu pour détruire, il y a le Dieu de la restauration qui ramène tout ce qui avait disparu. Je crois que la prière de la femme peut changer l'atmosphère d'une maison. Je crois que la femme qui est à genoux dans la maison est beaucoup plus dangereuse qu'une bombe atomique. Ne te décourage pas. Il est difficile apparemment. Il a un caractère de général ou de soldat. Mais là, je vous dis, il n'y a aucune force contre l'amour. Il n'y a aucune force contre la douceur. Personne ne peut arrêter le vent. Personne ne voit le vent. Telle est l'image de la douceur. C'est pourquoi la douceur peut fléchir les plus durs. La bonté de l'Éternel nous pousse à la repentance. Fatigué, mais pas découragé. Ce qui manque aux enfants de Dieu, c'est la persévérance, la détermination, l'endurance. L'endurance. Vous savez, le diable n'a aucune arme contre un persévérant. Parce qu'il va utiliser tout son arsenal, mais tu resteras toujours debout. Et rappelez-vous le texte qu'on a lu dès le départ, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7, on dit bien que nous portons dans des vases de terre cette puissance, afin que cette puissance, cette gloire ne nous soit pas attribuée, mais qu'elle soit attribuée à Dieu. Cela revient à dire, si nous portons, c'est que nous sommes comme des mannequins. Vous avez les mannequins dans les magasins, ils sont là et ils ne bougent pas. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils portent un vêtement que le Créateur a pu concevoir. Ils voudraient exposer un nouveau modèle pour que les gens qui passent voient qu'il y a un nouveau modèle, il y a une nouvelle collection. Et le Seigneur aussi a beaucoup de collections à exposer. Car c'est par le monde que, c'est par l'église que le monde ou la puissance des ténèbres verra la sagesse infiniment variée de Dieu. En d'autres termes, le Seigneur a des modèles à exposer aux nations. Mais il cherche des mannequins. Il cherche des personnes qui vont porter cette nouvelle collection.
C'est-à-dire que le Seigneur voudrait révéler au monde qui est le Dieu de la guérison. Il cherche un mannequin qui peut être dans la maladie, mais qui ne se décourage pas, car il le sait que cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Le Seigneur cherche des mannequins. Il voudrait révéler aux nations qu'il est tout puissant, qu'il le sauve, qu'il le change les choses, qu'il le change les situations. Il cherche des mannequins parmi son peuple, mais son peuple refuse cela. Au temps de Nebuchadnezzar, le Seigneur a trouvé Shadrach, Meshach, Abednego. Il voulait montrer à ce roi qui était un empereur, qui dominait sur toutes les provinces de la terre. Il voulait montrer à ce roi-là qu'il est au-dessus de leur empire. Il cherchait des mannequins. Il a trouvé Shadrach, Meshach, Abednego. Et voici Nebuchadnezzar qui décrète une parole. Que celui qui ne se prosternera pas devant la statue sera jeté dans la fosse, dans la fournaise de feu. Mais le Seigneur a trouvé trois mannequins. Ils ont dit, oh roi, vis éternellement. Mais sache néanmoins que nous, on ne se prosternera pas devant ta statue. Il dit, le Dieu que nous servons, il dit ce qui m'étonne, il le peut. Ils n'ont pas dit il le doit, mais il peut nous délivrer de ta main. Et même s'il ne le faisait pas, sache qu'on ne se prosternera pas. Dieu, ok, mettez-les dans la fournaise et chauffez la fournaise 7 fois. Ils n'étaient pas fatigués, ils n'étaient pas découragés. Ils sont allés dans la fosse, dans la fournaise de feu. Et quand ils sont rentrés, Nebuchadnezzar lui-même regarde et il constate, mais on n'a pas mis trois messieurs dedans? Si, il me dit, mais je vois un quatrième homme qui est semblable au Fils de l'homme. Il a eu la révélation du Christ avant même Israël. Et au temps de Darius, le Seigneur a trouvé un autre mannequin, Daniel, qui est prêt à aller dans la fosse au lion. Car le Dieu qu'il sert avec persévérance pouvait le garder de la gueule des lions. Le Seigneur cherche de mal qu'à notre génération. Remarquez bien, si vous regardez, vous allez voir que la fosse au lion n'était pas pour Daniel. La fournaise de feu n'était pas pour Shadrach, Meshach, Abednego. La mer rouge n'était pas pour Israël, mais c'était pour leurs ennemis. Ce par quoi tu passes, ce n'est pas pour toi. C'est pour qu'ils voient la sagesse infiniment variée de l'Éternel. Ce par quoi tu passes, ce n'est pas pour toi. La maladie par laquelle tu passes, ce n'est pas pour toi. C'est afin qu'ils le sachent, afin qu'ils le voient, qu'ils considèrent que l'œuvre de l'Éternel s'est manifestée dans ta vie. Est-ce que dans notre génération, le Seigneur peut trouver des mannequins? Les mannequins, lorsque le vent souffle, ils ne bougent pas. Lorsque le soleil, ils ne bougent pas. Lorsqu'il neige, ils ne bougent pas. Ils ne sont pas influencés par les intempéries. Ils ne sont pas influencés par ce que l'on dit. Ils ne sont pas influencés par ce qu'ils entendent. Ils ne sont pas influencés par ce qu'ils voient. Mais ils sont fixes et ils croient qu'ils sont là simplement. Nous portons simplement dans des vases de terre ce vêtement, la nouvelle collection, afin que la gloire soit attribuée à notre Dieu. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Je sais que ça fait longtemps. Je sais que ça dure. Mais c'est pas parce que ça dure que ton Dieu t'a abandonné. Plus ça dure, plus la gloire sera grande. Plus ça dure, comprends que ton temps sur la terre ne sera pas écourté. Mais là, sache que tu as une longue vie. Le problème, c'est que lorsque nous passons par des situations, nous avons l'impression que c'est notre terminus. Et on n'arrive pas à voir la demain. On n'arrive pas à voir le lendemain ou dans 3 jours. On se limite à ce que nous vivons aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire ce matin que notre Dieu cherche des mannequins, des personnes sur qui il peut s'appuyer, des personnes qui ne se découragent pas,
Des personnes qui ne se fatiguent pas parce qu'ils savent en qui ils ont cru. Ce que je vous enseigne, c'est ma vie. Je ne me décourage pas. Je peux être tenté par le découragement. Mais lorsque le découragement veut rentrer, il y a comme un thermostat qui s'allume dans ma vie et qui m'amène à commencer à parler. Rikaba sindoribawe, rabroto kamasekerowe, rabasakatamawe. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, frères et sœurs, dans Romains au chapitre 5, que l'espérance ne trompe pas. Il dit, nous nous glorifions dans nos afflictions. On se glorifie même dans nos afflictions. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que ce par quoi tu passes, ce n'est que pour un temps. Ce n'est que pour un temps. Même si le temps est lent, un peu de temps, il te formera, il te fortifiera et il te rendra inébranlable. Alléluia. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, notre Dieu est le Dieu du tout. Dis avec moi tout. Oh, plus fort que ça, tout. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dis-moi encore tout. Tout genou fléchira. Dis-moi encore tout. Toute langue confessera. Dis-moi encore tout. Tout m'est permis. Dis-moi encore tout. Mais tout n'est pas utile. Dis-moi encore tout. Alléluia. Il dit encore que vous marcherez sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Dis-moi encore tout. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Dis-moi encore tout. Tout est possible à celui qui croit. Dis-moi encore tout. Tout est à moi. Moi, je suis à Christ et Christ est à Dieu. Dis-moi encore tout. Nous avons tout pleinement en Christ. Dis-moi encore tout. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Dis-moi encore tout. Tout est accompli. Dis-moi encore tout. Il s'appelle El Shaddai, le Dieu tout puissant. Il est le Dieu du tout. Il est le Dieu du tout. Tout est. Vous savez c'est quoi accompli? C'est que c'est complet. C'est achevé. C'est le point final. Et devant le verbe, devant le mot accompli, il dit tout. Il suffit que moi je rentre dans le tout. Je mets mon mariage dans le tout. Puisque quand on dit tout, c'est tout. Alors je mets mon mariage dans le tout et accompli. Je mets la vie de mes enfants dans le tout et accompli. Je mets mes projets dans le tout et accompli. Donc si je rentre dans le tout, rien ne pourra me nuire. Tout est à moi. Moi je suis à Christ. Christ lui est à Dieu. Ne vous découragez pas. Soyez blindés. Soyez renouvelés, soyez encouragés ce matin, soyez fortifiés. Mes frères et sœurs, la Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. On n'a pas le temps des bébés. On a besoin des personnes qui broient les os. Des personnes qui sont déterminées. Des personnes qui sont enragées. Qui se disent que, advienne que pourra, je irai jusqu'à la mort. Il n'y a pas d'amen. On voit même sans forcer. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Quand est-ce que tu prieras toi-même pour toi? Vous savez, il y a des combats que vous pouvez remporter que vous-même. Il y a une sœur dans l'église qui est venue avec sa fille pour dire, pasteur, est-ce que tu peux prier pour ma fille pour que Dieu lui ouvre des portes par rapport à ceci ou à cela? J'aurais pu me précipiter d'imposer les mains. Mais j'ai dit d'abord à la fille, est-ce qu'il y a l'entente entre vous deux? La fille dit non. Elle dit, qu'est-ce que tu reproches à ta maman? Elle s'est mise à pleurer.
Elle a commencé à ouvrir son cœur. Et je dis, est-ce que maman, tu es au courant de ça? Elle dit non. Alors je vous dis, rentrez à la maison. Commencez à parler tous les deux. Et quand vous aurez fini de parler, vous serez pardonnés mutuellement. Toi, maman, prie pour ta fille. Le Seigneur va opérer le miracle. Elles l'ont fait. Et la jeune fille vient me dire, au fait, pasteur, mais le Seigneur m'a ouvert les portes. Ce n'est pas nous qui avons tout pouvoir. Mais souvent, il y a des combats où toi-même, tu dois expérimenter la puissance de Dieu. J'étais au Bénin et on m'invite pour aller prier pour une femme qui avait un grand commerce. Et je devais prier parce qu'elle avait des combats ou des luttes. J'arrive dans la boutique, je voulais prier. L'esprit me dit, ce n'est pas à toi de prier, c'est à elle, c'est son combat. Et je lui ai dit, le Seigneur m'a dit de te dire que c'est toi qui dois prier pour ta boutique. Parce que quand tu ne pries pas, tu laisses les autres prier. Vous savez, la prière, c'est comme la musculation. Tu développes des muscles spirituels. Tu développes des capacités surnaturelles. Mais lorsque tu laisses les autres prier pour toi, tu resteras chétif. Et les autres vont devenir musclés. Donc, muscle-toi dans la prière. N'aie pas peur des erreurs. N'aie pas peur de te tromper. Vas-y, prie. Vous pouvez demander le soutien de la prière, certes. Mais il y a des choses que tu dois expérimenter toi-même. Ne te décourage pas. Ne dis pas que les démons là sont trop forts pour moi. Non, 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 non. Tu ne peux pas être tenté au-delà de tes forces. Et je ne peux pas non plus aller au-delà du temps. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Heureux ceux qui prêchent court, car ils seront réinvités. On va se lever dans la présence du Seigneur. Oh, tu as certainement un point où le découragement voulait prendre place. Tu as certainement une situation qui est en train de t'oppresser, de t'accabler, en train de te fatiguer. Mais tu as entendu la parole du Seigneur. Tu as entendu la parole du Seigneur. Et je vois des personnes qui sont en train de pleurer. Des personnes qui pleurent pour leur situation. Parce que souvent les prières ne peuvent plus répondre et ce sont les larmes qui prennent place. Et souvent les prières sont des prières liquides. Mais ce matin, j'aimerais t'encourager à prier. Si tu sens que tu as besoin qu'on prie ensemble, n'hésite pas. Tu peux venir sur le devant, nous allons prier ensemble. Tu sens que le Seigneur t'a parlé, tu es concerné par ce que le Seigneur a dit ce matin. Tu peux venir, nous allons prier ensemble. Nous allons prier 2-3 minutes ensemble, n'hésite pas. Tu peux venir. Tu sens que le Seigneur t'a parlé ce matin, tu es concerné. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là ce matin. Ne te décourage pas. Le Seigneur sait pourquoi il te fait passer par là. Ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. La fosse au lion n'était pas pour Daniel. Mais remarquerez que le roi a dit, l'empereur a dit, puisque c'est ainsi, prenez tout cela qui avait souhaité mettre Daniel dans la fosse. Mettez-le à la place de Daniel. Le feu n'était pas pour Shadrach, Meshach, Abednego. Ta situation, le Seigneur la connaît parfaitement. Tu te décourages parce que tu as trop attendu, tu as trop attendu. Mais par rapport à ce que tu attends de la part de Dieu, le Seigneur voudrait bâtir en toi une personne solide, un mannequin qui pourra porter sa nouvelle collection. Et les gens verront la gloire de Dieu au travers de ta vie. Ils verront cette gloire au travers de toi. L'Éternel, ton Dieu, ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas abandonné. Lève les mains vers le ciel. Seigneur, tu m'as dépêché ce matin pour quelqu'un. Je ne sais pas pour qui particulièrement, mais tu as voulu que je parle ce matin. Fatigué, mais pas découragé. Je prie, Seigneur, que tu donnes la force. Car ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas.
Il marche et ne se lasse point. Qu'il en soit ainsi pour mes frères et sœurs, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je communique la force, la persévérance, Seigneur, à ton peuple. Que tu rendes le front de ma sœur dure devant toutes les situations, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ta fille. Oh, merci Seigneur, qu'elle soit une lionne à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la paix de Dieu. 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 Reçois sa consolation. Reçois sa consolation. Merci Seigneur, parce que tu restaures ta vie. Tu l'as fermée dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Tu restaures ta fille, tu la renouvelles, tu as fermé ses pas. Elle ne se décourage. Il ne se décourage pas, Seigneur. Il ne baisse pas le bras. Il retrouve la force, le zèle, Seigneur, dont il a besoin pour continuer la course, Seigneur. Comme tu as dit à Élie, mange et bois, car le chemin est encore long. Oui, mange et bois, car le chemin est encore long. Cela revient à dire que tu as encore de l'avenir avec ton Dieu. Tu as encore de l'avenir avec ton Jésus. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il est celui qui arrêtait la lune. Josué a arrêté le temps jusqu'à ce qu'il ait achevé son combat. Ainsi, le Seigneur arrêtera toutes choses pour que tu gagnes et que tu remportes la victoire. Sois un mannequin pour le Seigneur. Sois un mannequin. Ne te décourage pas. Ton Dieu sait toutes choses. Tu n'abandonnes pas ton assurance. N'abandonne pas ton assurance. Sois renouvelé ce matin. Sois restauré dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Oh, reçois la grâce de Dieu ce matin. Oui, ce matin, un changement total. Merci Jésus. Merci Seigneur, un changement total. Oh, vaillant héros. Merci Seigneur, sois renouvelé. Ton Dieu sait toutes choses, il sait toutes choses. Il entend tes prières, il entend tes cris, il sait ce que tu fais. Mais